écoutez à tous, nouveau numéro de Pouch Live aujourd'hui et j'ai le plaisir de recevoir Marceau. Bonsoir Marceau, comment allez-vous? Salut Nicolas, ça va, merci. Bon, mais super, je suis très heureux de vous recevoir, vous êtes un personnage controversé. On va discuter de tout ça, on va essayer d'aller au fond de votre dessin, de ce que vous êtes aussi. Vous avez subi beaucoup de critiques, beaucoup d'attaques, vous avez dû même vous retirer à un moment donné pour prendre un peu de recul, on va en parler de tout ça. Hein. On va voir aussi quel est l'état de liberté d'expression aujourd'hui dans ce pays. Est-ce qu'on peut en permanence être attaqué de plus en plus pour des dessins, pour des déclarations, pour des éditos? On est tous logés à la même enseigne, hein, quand on essaie d'avoir une parole libre. Donc c'est pour ça qu'on vous invite, parce que c'est aussi important de donner la parole sur un temps long et on va en parler. Donc je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas, hein, parce qu'il y a encore des gens qui ne vous connaissent pas. Certains ont très très bien, certains ont très très mal. Marceau, vous êtes dessinateur humoristique et auteur de bandes dessinées françaises. Vous publiez dans la belle maison d'édition Ring, notamment la série à succès, la grosse série à succès Brum. Et là, vous, bientôt, Brum 5, bien entendu, le Brum 4, c'était Sur ta mère comme au ciel, ça donne le ton, mais bon, le ton, ça fait un petit moment que vous le donnez, Marceau, le ton là-dessus. Allez, première question. J'aime bien qu'on parle d'enracinement parce que c'est intéressant. Vous avez un passé, je pense aussi votre dessin est issu de ce passé-là. Et donc vous êtes passé par les beaux-arts, vous avez vite fait les beaux-arts, ça a été vite réglé. Puis maçon, puis dessin, dessinateur comme métier. Finalement, Marceau, comment ça a nourri votre imaginaire, le beaux-arts, le maçon, et ensuite se consacrer entièrement et pleinement au dessin? Alors si on fait la genèse, l'histoire des beaux-arts, il faut savoir que je ne suis pas allé en tant qu'étudiant. J'ai toujours une aptitude pour le dessin. Et donc ma mère, quand j'avais à peu près 15 ans, elle m'a dit, écoute, je vais te mettre aux beaux-arts au cours du soir pour un peu perfectionner les techniques, avoir un truc académique, quoi. Et moi, je me suis senti, donc j'y allais deux fois par semaine et je m'y sentais très mal parce que c'est pas du tout ma façon de faire. Moi, j'aime bien quand c'est concret. C'est mon côté ouvrier. J'aime bien quand un dessin, c'est un dessin. Un trait, c'est un trait. Une case, c'est une case. Et au Beaux-Arts, on était plus dans quelque chose de un peu plus flottant, quoi, un petit peu plus, on laisse faire les choses et tout, et moi, j'aime pas trop. Et surtout, la prof, à raison d'ailleurs, hein, me faisait des remarques, et moi, j'aime pas du tout qu'on me fasse des remarques. C'est un de mes gros défauts, j'ai vraiment une tête de con, et j'aime pas du tout qu'on me fasse des remarques. Pourtant, les remarques étaient tout à fait justifiées, hein, je veux dire, c'était mine de rien, c'était quand même elle qui avait un niveau académique, et moi qui savais pas y faire. Mais voilà, j'aime pas qu'on me fasse des remarques, donc je suis assez rapidement parti. Et puis ensuite, j'ai fait un CAP de maçonnerie, que je n'ai pas obtenu, parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça non plus. Et ensuite, le dessin s'est fait tout seul, petit à petit. Précisément, si vous voulez vraiment savoir d'où vient où j'ai chopé le virus de la BD, à la base, j'avais toujours j'ai grandi dans les flux glaciales, les Gottlieb, etc., de ma maman. Donc, bon, ça, j'ai déjà lu tout ça. Donc, je me suis imprégné de tout ça. Mais précisément, ça vient d'un jour, d'un soir, c'était... je viens dans un bistrot avec les copains. Et à l'époque, je faisais des dessins pour faire marrer les copains dans les bars, des trucs comme ça. Et un copain, un petit peu pété, vient me voir et puis il me dit, c'est vraiment dommage que tu exploites pas ce talent, enfin, ces dessins-là. Il faut que tu fasses de la BD. Et je dis, mais moi j'étais aussi bourré que lui. Hein. Je lui dis, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec l'histoire de BD? Il m'a dit, si, écoute, dans une semaine, t'as quartier libre sur le thème, sur la forme, etc. Mais tu me fais une bande dessinée. Bon, je pars avec ça. Et moi, comme je suis un mec de parole, j'ai dit, écoute, je vais y faire sa BD à la con, là. Donc j'ai bricolé un truc qui était nul à chier, raté à tous les niveaux, au niveau ancrage, au niveau couleur, au niveau scénario. Mais je lui ai quand même fait sa BD. Je lui ai donné, il a trouvé ça nul, a raison. Mais moi, dans l'intervalle, je m'étais dit, tiens, c'est quand même marrant de canaliser un peu tout ça. Mmh. C'est-à-dire, ces dessins de barre à la con, ces machins-là, c'est rigolo d'essayer de les mettre en case et d'en former une histoire. Fût-elle parfaitement ratée. Hein. Et du coup, j'ai fait une deuxième BD. Troisième, quatrième, etc. Et puis, on est passé de une heure de boulot par jour à 2, 3, 4, 5, 12, et puis... Puis je suis là, quoi. Mais c'est venu d'une commande, d'un espèce de pari, quoi. C'est venu de là.
Voilà, une commande faite sur un comptoir de bar, dans un état élitique un peu avancé, vous l'avez dit. Finalement, ouais, moi ce qui m'intéresse, Marceau, c'est ce côté autodidacte. C'est-à-dire que les Beaux-Arts, ça ne vous a pas convenu. Vous avez d'ailleurs rendu hommage à cette professeure, bien entendu, mais finalement, c'est quoi, comment il s'est fait ce cheminement? Vous l'avez dit, vous avez comme d'ancrage, comme de dessin, comme de couleur. Et finalement, aujourd'hui, vous êtes un dessinateur à succès, et on va en parler, bien entendu. Ça a été quoi ce processus, cette genèse vers le dessin, vers le professionnel? Vous dire la façon dont j'ai appris moi-même à dessiner? Oui, bien sûr. La façon dont vous avez appris et la façon dans laquelle vous êtes allé dans un style bien particulier, bien à vous. Hein. D'abord, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une histoire de culture. J'ai vraiment été imprégné par le noir et blanc. C'était vraiment quelque chose qui me plaisait. Donc, je voulais, comme tous les fans, faire aussi bien que mes idoles, qui étaient donc Gottlieb, Meister, Uderzo, etc. Et en fait, je n'aurais même pas de technique à vous donner précisément, c'est juste que je travaillais sans cesse, et tant que je n'arrivais pas au niveau, selon moi bien sûr, au niveau des grands, bah, je recommençais. Quoi. Hier, je faisais mon ancrage, et je voyais que ça n'allait pas, je me disais « putain, mais ce mouvement, il n'est pas bon, ce tracé, il n'est pas bon », je déchirais, et puis je recommençais. Quoi. Il y a eu une période de quasiment un an et demi où je n'ai pas fait un seul ancrage, fini. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois, aux trois quarts, je déchirais parce que ça ne m'allait pas. Et après, le style, moi je pense que c'est bien d'apprendre seul, quelle que soit la discipline d'ailleurs, parce qu'en fait, je vais donner un exemple avec le dessin. Si par exemple vous n'arrivez pas à faire un corps quelconque, vous demandez à votre professeur qui va vous expliquer comment le faire. Donc tout de suite, vous allez avoir la version académique et ça va être juste immédiatement. Si vous n'avez personne pour vous aider, pour vous soutenir, vous allez vous démerder pour faire ce truc-là. Et au final, peut-être que ce ne sera pas académique, peut-être que ce ne sera pas juste, par contre, ce sera à vous, ce sera votre style. Et c'est ça, en fait, les pattes. C'est ce qu'on appelle la patte, en fait. Gottlieb, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de la coccinelle de Gottlieb. C'est qu'en fait, Gottlieb était très mauvais dans les décors, comme moi d'ailleurs au passage. On ne peut du tout faire les décors, ça m'emmerde. C'est pour ça qu'en général, ça se limite à une table ou un truc comme ça. Et Gottlieb, en fait, pour combler les décors, enfin, pour combler les blancs, il a fait cette petite coccinelle. Du coup, qui se promène, qui raconte ses trucs, voilà. Et puis, bah, du coup, la coccinelle de Gottlieb. C'est-à-dire qu'en fait, de cette lacune est né quelque chose de culte. Je prétends pas du tout être culte comme Gottlieb, hein, c'est pas ça que je dis. Mais je dis que c'est bien d'apprendre seul parce que du coup, on a plus tendance à avoir un style. Et je pense, en tout cas, j'espère et j'y travaille beaucoup, avoir un style reconnaissable, en tout cas de plus en plus. Oui, donc pour vous, vous faites le lien manifestement entre l'apprentissage seul. Sans aide, sans cadre administratif et aussi bah, cette patte, ce style à vous, concrètement. Pardon, j'ai pas compris. Vous faites ce lien entre l'apprentissage seul, sans cadre, sans professeur, sans quelqu'un derrière vous, derrière votre épaule qui vous souffle les traits et votre style aussi très reconnaissable parmi mille. Oui, absolument. Oui. Je regrette pas mon parcours. Il a été quand même très dur. Maintenant, c'est plus simple que maintenant que je suis lancé, si vous préférez. Mais ouais, il y a quand même un petit moment. Enfin, c'était raide, quoi. C'était vraiment raide. Bah, quand vous n'avez pas de soutien, il faut vous démerder tout seul, quoi. De soutien donc, professionnel, j'entends. Hein. Et donc, forcément on ne peut pas ne pas parler de votre héros, ce personnage. Je ne sais pas si c'est un anti-héros ou c'est un héros, peu importe, ou un personnage, ce fameux Eugène. Comment il est né, Eugène, et puis finalement, on a l'impression qu'il évolue, ce garçon un peu brutal, un peu intolérant, ce Eugène. On a l'impression qu'il devient, il va devenir finalement, après, peut-être un peu cotonneux, non? À la fin de vos BD, Marceau. Mais déjà, dans Brême 5, il est sentimental. Hein. Vous verrez quand l'album sortira. Enfin, sentimental tranquille. Hein. Sentimental parpin. Mais alors, il est né comment? Il est né que ça devait faire quelques mois que j'étais sur Facebook, donc on est en 2014. Et à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait beaucoup de publications Facebook un peu nounouilles, avec des proverbes, des citations un peu connes sur l'amour, la vie, etc., avec des fautes d'orthographe. Bon, je tombe sur une citation comme ça, un truc vraiment mais blindé de fautes, etc., complètement con. Et je me dis, mais c'est infernal, ça mérite des baffes, ce truc-là. Quoi. Moi, je suis un gentil garçon, je ne vais pas trouver la personne pour les foutre des baffes. Par contre, je suis dessinateur. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un mec, il faut que je matérialise cette personne-là, et il faut que je trouve un mec pour lui mettre des mandats. Il faut que je trouve un truc, il faut qu'un mec lui gueule dessus, parce que c'est plus possible. Quoi.
Et là, tout naturellement, est arrivé Eugène, hein, c'est une espèce de gros balèze avec des lunettes de soleil. Hein. Et puis, il a eu beaucoup de succès à l'époque sur ma page, et j'en ai fait une deuxième histoire, une troisième, etc. Et puis, on en est là aujourd'hui, quoi. Alors, Eugène a beaucoup évolué, vous avez raison. Il est passé par plusieurs phases, c'est-à-dire que au début, c'était vraiment un catharsis, c'est-à-dire qu'il était là uniquement pour mettre des branlées à tout le monde, pour gueuler, etc. Si bien qu'à un moment donné, sur la fin 2018, un petit peu avant mon retrait Facebook temporaire, ça devenait un peu redondant. Même moi, ça commençait à me fatiguer, c'est-à-dire qu'on voyait le truc venir. Il y avait un mec qui pesait 50 kilos, on savait très bien qu'après la case d'après, c'était Eugène qui lui mettait un coup de pompe, et ça terminait par une vanne, quoi. Donc, ça devenait un petit peu lourdingue. Et du coup, j'ai fini par faire évoluer ce personnage, comme j'ai évolué le monde, cela étant. Et du coup, sans forcément que ce soit devenu une guimauve, il commence à devenir un peu plus complexe. Il développe des... comment dire? Je ne vais pas dire des sentiments, mais des traits de personnalité autres que simplement la grosse brute qui est là pour punir tout le monde, quoi. D'accord, ouais, donc il a évolué. Bon, il finira peut-être pas Premier ministre, jeune, mais en tout cas, il a évolué, ça c'est sûr et certain. C'est pas grave. Et après, concrètement, pour aller dans le fond du personnage, il incarne quoi? Bon, vous avez un peu dévoilé, enfin, on le sait, mais il incarne quoi concrètement aujourd'hui? Et d'ailleurs, question par rapport à depuis sa création, qu'est-ce qu'il incarne vraiment aujourd'hui, Eugène? C'est finalement le pourfendeur de la bien-pensance, du politiquement correct, c'est ça qu'il incarne, Eugène, même s'il se complexifie au fil des BD et des planches? Je ne suis pas convaincu qu'il faille avoir une conclusion aussi simple que ça. C'est plus complexe que ça. Eugène, il est vraiment accolé au Brum, l'onomatopée. Brum, c'est pareil, c'est un peu comme mes... Alors, le Brum, l'onomatopée, c'est comme mes albums, les Brum. C'est un petit peu des fourre-tout. C'est des fourre-tout, c'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de vouloir forcément pourfendre la bien-pensance bille en tête comme ça. C'est plus un état d'esprit. C'est-à-dire, en gros, on fait ce qu'on veut, nous faites pas chier. C'est un peu ça le truc, si vous voulez. Et Eugène, Eugène est beaucoup là-dedans, quoi. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est... Oui, je vois très bien. Je vous suis là-dessus sur l'analyse de ce personnage, qui est le vôtre, d'ailleurs. Voilà. D'accord, ok. C'est intéressant cette idée, finalement, de dire on pense ça, on fait ça, et venez pas nous faire chier. Grosso modo, c'est cette idée de dire chacun fait ce qu'il veut dans son coin, et venez pas porter un jugement idéologique ou vertueux sur la façon dont je pense et que je réagis à des situations données. C'est un peu ça, finalement, cet Eugène. Il y a un petit peu de ça, et même au-delà du politiquement correct, Eugène, ça va être quelqu'un qui s'attaque à des gens ou à des principes un peu pénibles. Hein, tout ce qui est un petit peu pince sans rire, tout ce qui est... Mais si on devait... Moi, j'aime pas trop les étiquettes, mais si on devait vraiment lui coller une étiquette, Eugène, ce serait un anarchiste de droite, en fait, quoi. C'est un anarchiste de droite. Comme moi, je le suis finalement, c'est-à-dire que on m'a collé beaucoup d'étiquettes, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Oui, on va en parler. On va en parler. Moi, je me reconnais finalement dans pas grand-chose. Je suis pas du genre à emmerder les autres. Je suis plutôt... J'aime pas qu'on m'emmerde non plus. On en revient à l'histoire de remarques, aux histoires de remarques de mon prof tout à l'heure. Et je pense que Eugène est un petit peu là-dedans. C'est-à-dire qu'il fait son chemin, faut pas trop le chercher. Et voilà, quand il y a un truc un peu pénible, il est là pour libérer un peu cette situation. Alors, c'est intéressant parce que au-delà du dessin, et vous en avez beaucoup parlé, vous en parlez beaucoup quand on vous invite, je voudrais savoir quel regard vous portez, Marceau, sur le succès incroyable de vous et de Papacito, notamment chez Ring. Finalement, vous êtes toujours cloué au pilori pour différentes raisons, et on abordera ces sujets-là. Et comment vous expliquez qu'il y a une telle communauté ultra fidèle qui vous suit, qui vous soutient en permanence? C'est quand même extrêmement intéressant comme phénomène de société, ça, au-delà de votre dessin, au-delà de Marceau, au-delà de Papacito, il y a quand même des gens aujourd'hui. Comment vous l'expliquez, ça, ce succès-là? Je l'explique parce que déjà, je pense que, en ce qui me concerne moi uniquement, je ne me permettrai pas de parler à la place de Papacito. En ce qui me concerne moi, je pense que les gens reconnaissent déjà le travail bien fait et l'honnêteté. Moi, j'ai toujours été honnête dans ma façon de proposer mon travail aux gens. Je n'ai jamais triché et j'ai des liens bien plus qu'aux commerciaux avec ma communauté.
c'est pas une histoire de simplement vendre des albums ou n'importe quoi, c'est vraiment, on a vraiment des liens assez, assez forts. Donc il y a ça, et ensuite, si on pouvait dézoomer un petit peu, je dirais qu'on vit dans une société où, où tout le monde est fliqué, et principalement les gens qui me ressemblent, pour être franc, hein, à savoir, pour faire simple, un blanc hétérosexuel. C'est-à-dire qu'on est toujours coupable de tout, on est forcément des enculés quoi qu'on ait fait, plus ça va, moins on a le droit de faire quoi que ce soit. Ça s'amplifie avec l'histoire du coronavirus, là. Et donc, je pense, pour en revenir à Eugène, que voilà, quelqu'un qui dynamite un petit peu tout ça, qui vous dit, bah, écoutez, faites ce que vous voulez, finalement, vous êtes libre, arrêtez de vous excuser, arrêtez de ramper, vous n'êtes pas des merdes, soyez fiers de ce que vous êtes. Ça, déjà, je pense que ça peut attirer un petit peu. Ça peut attirer. Mais je pense vraiment que c'est l'époque qui veut ça. C'est-à-dire que pour parler simplement de, pour mes petites affaires, c'est une bonne époque, puisque du coup, il y a une demande de liberté de la part des gens. Mais pour moi et pour tous ceux qui vivent cette époque, c'est extrêmement pénible. Enfin, c'est vraiment une époque de merde, quoi. Et est-ce que finalement, aussi au-delà de ça, est-ce que ça n'incarne pas des fractures profondes en France, notamment de plus en plus, la société est de plus en plus clivée? On l'a vu avec notamment Éric Zemmour qui est décrié, qui est énormément décrié, mais qui vend des centaines de milliers de bouquins qui sort. Sur CNews, il fait exploser les audiences. Finalement, on se rend compte qu'entre un petit milieu qui le déteste et il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui, on parle même de lui à la présidentielle. J'ai encore vu un sondage ce matin qui le porterait à 13%. Vous imaginez, enfin, et c'est un peu le cas entre vous et Papacito. C'est-à-dire que je repose ma question. Il y a vraiment une communauté de gens extrêmement fidélisés. Et est-ce que ça n'incarne pas finalement des fractures en France qui sont terribles? Est-ce que ces parties-là de gens pourraient être réconciliables un jour? Parce qu'on pourra se remettre à pouvoir discuter, à débattre sereinement. Est-ce que vous ne portez pas, vous, malgré vous peut-être, cet étendard-là, qui vous coûte beaucoup, pour le coup? Qui me coûte beaucoup, mais ce n'est pas un problème. Je ne regrette rien de ce que j'ai pu dire. Alors, je le porte, oui, c'est un grand honneur que vous me faites en disant ça. Moi, je ne porte pas grand-chose, mais peut-être qu'avec l'audience que j'ai, je fais du bien à des gens. Je sais que des gens me disent ça. Continue, on a besoin de toi, etc. Ça fait super plaisir, quoi, parce qu'on se dit qu'on ne bosse pas dans le vide. Après, sur l'histoire des fractures, vous demandiez si c'était réconciliable, tous ces gens-là. Je ne pense pas, sérieusement, je ne pense pas. Moi, je dis toujours que je suis beaucoup trop con pour former un discours politique cohérent. Je n'ai pas cette prétention-là. Je l'ai eu, fut une époque, et c'était un petit peu ridicule. En revanche, moi, je fais de la politique de comptoir. Et la politique de comptoir, c'est la meilleure qui soit, puisque c'est le ressenti des gens d'en bas, en fait, des gens du peuple, comme on dit vulgairement. Mais, ouais, le bon sens. Non, si vous préférez, le bon sens, voilà. Et moi, en fait, je pense qu'on va complètement dans le mur, parce que... Enfin, je vois les politiciens, ils parlent de tension, mais ce n'est pas du tension, c'est une poudrière dans laquelle on est. Ce n'est plus possible du tout. J'ai fait un dessin ce matin là, qui a assez bien marché, où il y a une petite vieille qui dit qu'en gros, il faut prendre d'assaut l'Assemblée nationale, voilà, etc. Bon, c'est compliqué à articuler comme pensée, parce que forcément, la fin est tragique. Mais il faut le dire, je pense qu'on va vers un chaos. C'est-à-dire que concrètement, je pense que les 20 ou 30 prochaines années en France, ça ne va pas être marrant du tout. J'en suis le premier attristé. Moi, je dis souvent avec mes lecteurs, quand je discute un petit peu avec eux en dédicace, moi, dans le fond, je suis un espèce de baba cool, en fait. Je suis super gentil. Si tout le monde pouvait être en paix, si on pouvait quasiment fumer des joints et jouer de la guitare tout nu dehors, ce serait pas mal. J'exagère, bien sûr, mais vous voyez le principe. Malheureusement, on vit dans une époque où on est obligé d'être dur. On est obligé d'être dur puisque le monde est dur, puisque la vie est dure. L'insécurité, on n'en parle même pas. Enfin bon, c'est pas marrant du tout, et je pense pas que qu'on réglera quoi que ce soit par ce qu'on appelle communément les valeurs démocratiques ou le système électoral, qui est un cirque, pas possible. J'aurais une question pour vous là-dessus en fin de mission, Marceau. Finalement, oui, enfin, moi, c'est pas un honneur, vous faites là, c'est une analyse que je me rends compte en regardant les ventes, en regardant les audiences que vous faites, vous, et Papacito. Et puis, il y a toute une série de gens aujourd'hui qui ramènent beaucoup, beaucoup de monde. D'ailleurs, on voit que la censure tombe fort, vous l'avez vu, vous, sur les pages Facebook, sur les pages YouTube.
Et c'est compliqué aujourd'hui à ne serait-ce qu'à mettre en avant une voix discordante, dissonante sur n'importe quel sujet, hein, peu importe immigration, santé, politique, Union européenne, en fait, tous ces sujets-là. Je voulais une question aussi que je vais vous poser, Marceau, c'est quel est le rapport, très sincèrement, intime, que vous entretenez avec la France qui trime? Vous disiez que vous étiez mieux avec des maçons au comptoir des bars. Si un jour ils réouvrent les bars, peut-être vous pourrez le remettre en place, ça. Mais c'est quoi votre rapport finalement intime avec cette France qui trime vraiment, hein, la France d'Aborgaise? Mais je ne sais même pas si je pourrais vous répondre de manière articulée, puisque, enfin, je ne sais pas comment vous dire. La France qui trime, c'est moi en fait. Je suis pareil qu'eux, si vous voulez. Je peux pas vous dire, en fait, j'ai pas de rapport particulier, c'est juste simple, en fait, ça va de soi, si vous préférez. Bah, je pourrais vous faire un espèce de discours un peu mielleux, comme font les politiques, en mode, comment dire, un peu populiste, mais populiste nounouille, quoi. À dire que voilà, ces gens-là sont bien braves, etc., ils sont fantastiques, ils sont courageux, puis derrière, on les encule, quoi. Moi, je peux pas dire ça, je peux pas analyser, en fait, ça, si vous voulez. Parce que je suis comme eux, si vous voulez. Je suis passé de trimmer sur les chantiers à trimmer sur la table à dessin. C'est-à-dire que l'intensité de travail est la même, la difficulté est la même. Je n'ai pas du tout changé mon mode de vie en comparaison à quand j'étais intérimaire ou manute sur les chantiers, quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on en parlait tout à l'heure du bon sens populaire. Il y a peut-être ce bon sens populaire qui fait peut-être toute la différence aussi. Vous vous sentez mieux avec cette France-là plutôt qu'on imagine dans les salons parisiens chloroformés où la bonne société se presse. Bah ouais. Bah oui, c'est chiant. Après, je vais être franc avec vous, je suis pas trop invité dans ce genre de gala. Hein. Je suis pas trop dedans. Mais d'ailleurs, pour le coup, c'est assez un honneur pour moi d'être haï par toute la profession. Parce que justement, la profession, c'est un peu de l'entre-soi comme ça. Et la profession, c'est, bah, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est les mecs des Beaux-Arts, quoi. C'est les mecs des Beaux-Arts qui sont entre eux. C'est les cabus qui disent que les Français sont des beaufs, racistes, coupables de tout, quoi. Donc moi, je suis beaucoup plus à l'aise. Je peux pas vous expliquer comment, mais moi, je suis à l'aise avec les gens normaux, en fait, quoi. Avec les gens normaux. C'est une question, je ne sais pas si vous avez réagi dessus, en faisant ma revue de presse pour préparer cette émission, je ne l'ai pas vue, mais peut-être que je ne suis pas allé non plus au fond, pourtant j'y vais très loin. Votre regard sur les Gilets jaunes, Marceau, le mouvement, qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce mouvement des Gilets jaunes? Alors, au début, j'étais très enthousiaste, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une belle énergie, et on va être franc, une belle violence, hein, parce qu'il y a un moment, il faut quand même y aller. Et ensuite, ça, je trouve que ça a été vraiment gangréné par l'extrême gauche, ce qui fait que c'est devenu une espèce de ramassis de crasseux. Là, quand on les voit, c'est voilà. Enfin, je trouve vraiment que les Gilets jaunes historiques, en tout cas, le comment dirais-je, je trouve pas mon mot, mais la matière, un petit peu vraiment le corps des Gilets jaunes historiques, l'idée, l'entité, je trouve qu'elle a vraiment beaucoup perdu, quoi. Alors, je dis pas ça, mais j'imagine bien qu'il y a encore des Gilets jaunes historiques au sens les premiers, vraiment les mecs des ronds-points qui tenaient leurs ronds-points, etc. Mais je trouve que, en majorité, ça a vraiment été récupéré par l'extrême gauche, qui fait qu'il y a un peu n'importe quoi dedans, quoi, je trouve. Ouais. Après, ça va être compliqué pour moi d'articuler le fond de ma pensée là-dessus, puisque je pense que je pourrais vous dire des trucs qui m'amèneraient directement au tribunal, qui sont relatifs au fait que, il y a un moment, la violence, il faut quand même y aller, quoi. J'en dirais pas plus, parce que c'est peut-être un peu risqué, mais bon. Oui, ça, c'est des paroles qui vous appartiennent. Je suis obligé de faire mon rôle de modérateur, et effectivement, là-dessus, sur ces manifs Gilets jaunes, et votre idée, effectivement, peut-être de noyautage de l'extrême gauche, comme ça a été souvent rappelé. D'ailleurs, il y a eu la réforme des retraites, il y a eu notamment la loi de sécurité globale, où il y a eu des affrontements assez terribles dans les rues de Paris, et pas que. J'ai envie de vous poser une question. Tiens, qu'est-ce. J'ai entendu plusieurs reprises, hein, de votre bouche, bien entendu, vous étiez un droitard. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la droite, hein, sur, je vais parler des républicains, de tous les républicains là, qui se pressent dans une espèce d'opposition au monde à Emmanuel Macron. C'est la droite dont vous rêviez, Marceau, ou... non. Alors déjà, moi, je ne rêve d'aucun parti politique, étant entendu que je pense que le système électoral est une arnaque. C'est-à-dire que je pars du principe que quand quelqu'un a le droit d'accéder à l'élection présidentielle ou autre, hein, c'est qu'il n'est pas dangereux. Je pense qu'il n'est pas dangereux.
Donc moi, on va parler franchement, même Marine Le Pen, pour moi, c'est pas mon parti. Je tiens à le dire directement parce qu'on dit toujours oui, ta copine Marine, c'est pas du tout ma copine, et c'est pas mon parti. Les Républicains encore moins. Je me suis qualifié de droitard pour déjà par provocation, puisque fut une époque, ça me faisait quand même marrer de provoquer. C'est pour ça que je comprends, si vous voulez, qu'on dise des choses pas possibles sur moi, comme quoi je suis un fasciste pas possible et tout. Parce que, enfin, il faut aussi reconnaître ses erreurs, ou en tout cas ses actes. Je l'ai quand même bien cherché. Je ne dis pas que j'ai mérité tout ce que j'ai subi, parce que quand même, ça a été un petit peu raide, mais on ne va pas se mentir, j'en ai fait des caisses. Donc voilà. Le droitard, non. Évidemment que je tends plus à droite, si vous voulez, qu'à gauche, sur les principes, sur ce qu'on appelle les valeurs. Mais fondamentalement, je suis affilié à aucun parti, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et ensuite, le regard que je porte sur la droite, on va dire institutionnelle, voire même sur l'extrême droite, pour moi, ce sont des gens qui ne servent absolument à rien. Voilà, ils ne servent à rien du tout. Je ne pense pas que ce sont ces gens-là qui prennent des décisions, ou alors des décisions pas importantes pour des bricoles, des histoires de retraite, quelques centimes par-ci par-là, des réformes inutiles. Mais je pense que fondamentalement, on est arrivé au bout d'un système moisi, corrompu, qui ne sert absolument à rien. Le mouille, hein, là ce que je dis, c'est j'enfonce une porte ouverte, évidemment, quoi. Mais je pense que rien ne se réglera par les élections, par les partis politiques. Moi, je leur en veux même pas forcément aux partis politiques de se comporter comme ça, aux politiciens, puisque moi, je pense que je suis trop honnête pour faire ce qu'ils font, c'est-à-dire je ne pourrais pas capter, je ne pourrais pas vivre, si vous voulez, sur le désespoir des gens, vous voyez. Si je dis, par exemple, à des gens qui sont malheureux, qui sont excédés, oui, vous avez raison, on va vous débarrasser des racailles, on va mettre de l'ordre, et qu'en disant ça, je sais que je ne vais rien faire, à part prendre 8000 balles par mois, plus le chauffeur, plus les restos, si je me croise dans une classe, je dégueule, si vous voulez, je ne peux pas. Mais je peux comprendre que des gens aient moins de scrupules que moi et fassent ça. Donc en fait, ce n'est pas les hommes forcément ou les femmes le problème, c'est le système qui est complètement pourri. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le coup des gilets jaunes, c'est-à-dire qu'un système pourri, on ne le règle pas avec les armes d'un système pourri. Ce n'est pas en allant voter contre des pourris et pour mettre d'autres pourris au pouvoir qu'on va arriver à quoi que ce soit, malheureusement. Oui, c'est assez pessimiste comme vision, mais elle vous appartient et je la respecte. Mais c'est vrai que vous ne voyez pas, vous, à un moment donné, une lumière au bout du couloir politique, d'un renouveau politique démocratique, des référendums, le peuple qui va se remettre à voter dans les villages, quelque chose, un élan démocratique qui pourrait subvenir après la crise du Covid, par exemple. Pour vous, on ne prend pas du tout le chemin. Alors, il peut y avoir un élan, puisque là, on est quand même dans un système de cocotte-minute, c'est-à-dire que les gens n'en peuvent plus, à tous les niveaux. Hein. Enfin, il y a déjà ceux qui s'emmerdent parce qu'on leur interdit de sortir, etc. Mais ça, c'est l'entrée de gamme. Ensuite, il y a ceux qui s'emmerdent parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir et qui, en plus, sont tout perdus. Les restaurateurs, il y a des gens qui ont perdu 80% de leurs revenus. Donc oui, il y a une poudrière, il peut y avoir un élan. De toute façon, il y aura un élan. Après, sur l'histoire de la démocratie, là... Moi, je ne suis pas une lumière, je n'ai pas un master en histoire, mais je connais un petit peu quand même, je connais un peu la vie, je vois comment ça se passe. Et il n'y a pas grand-chose qui se règle autrement que par des boucheries, quoi. Je pense. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on va vers quelque chose d'assez, d'un petit peu violent, à mon avis, parce que je ne vois pas les choses se régler autrement que par quelque chose de violent. Je ne vois pas. Tous les politiciens parlent toujours de valeurs de la République en disant justement que la violence est intolérable, que on peut discuter. Ouais, les valeurs de la République, je rappelle quand même que c'était un petit peu chaud quand même, hein, à l'époque. Hein. Toutes les républiques se sont mises en place dans les émeutes, les insurrections. Tout. Il suffit de relire certaines lignes d'histoire de façon même les survoler et voir la histoire française a été violente. Hein. L'histoire française a été très violente. Voilà. Donc, ça se règle que comme ça. La seule loi qui vaille, c'est la loi de la force. Ça me fait pas marrer de dire ça, mais c'est comme ça que ça marche. Ça fait des millions d'années que c'est comme ça. Voilà. Donc, la démocratie. Ouais. Alors, je voudrais qu'on reparle de bande dessinée, Marceau. Vous avez pris du recul. J'ai d'ailleurs regardé la vidéo que vous aviez faite pour RIM, votre éditeur, bien entendu, en octobre 2018. Vous expliquiez finalement pourquoi vous aviez pris un peu de recul par rapport au dessin, aux bandes dessinées.
suite à deux polémiques. Là, on est en 2021. Ça vous a finalement ce recul, ça vous a servi rétrospectivement, ça vous a fait du bien de vous mettre un peu en retrait quelque temps? Absolument. Absolument, j'en avais vraiment besoin. C'est d'ailleurs pour ça que je suis parti. C'est que j'avais besoin de faire retomber la poussière, si vous voulez. J'ai donné beaucoup trop d'importance, une fois de plus par ma faute, hein, puisque j'ai vraiment fait de la provocation bête et lourde et épaisse. Donc là-dessus, je ne vais pas commencer à geindre que je suis une pauvre victime. Non. J'en ai fait des tonnes. Donc j'avais besoin de laisser retomber la poussière, puisque mon erreur avait été de donner beaucoup trop d'importance à des gens qui n'en ont aucune. Vraiment. Je me suis cru en danger alors que je n'en étais pas. Je suis parti dans une paranoïa pas possible, hein, si vous voulez. Alors qu'en fait, il n'y avait aucun problème. Il suffit juste d'ignorer ces gens-là. On parle en l'occurrence des Antifa, des JW. Vous savez ce que c'est, JW? C'est les social... Non, vous allez me l'apprendre. Ce sont les Social Justice Warriors. Donc, c'est un terme générique pour désigner ceux en fait, qui voient de l'homophobie, du racisme, de la misogynie partout et qui s'emploient à faire tomber des pages ou à lancer des harcèlements contre des gens pour les faire disparaître, si vous voulez. Quoi. Et moi, je me suis rendu compte d'une chose en partant, enfin en prenant mon petit exil là, de quelques mois, c'est que les gens qui étaient habitués à me taper dessus et à me chercher et à me faire des reproches tout le temps se sentaient bien perdus. Je les voyais qui étaient vraiment un petit peu désemparés, comme s'ils avaient perdu leur repère un petit peu. Et je me suis dit, mais c'est quand même marrant. Ces gens-là, quand on arrête de leur répondre, en fait, ils sont pas bien. Ils n'étaient vraiment pas bien. Quoi. Ils n'avaient plus personne sur qui taper. Et donc ça m'a vraiment permis déjà de libérer un peu mon esprit, puisque ça avait formé un espèce de bouchon, comme j'avais dit dans l'interview. Un bouchon. Pour créer, il faut être détendu. Il faut vraiment être détendu. Il faut que ça vienne tout doucement. Il faut laisser les idées venir. Et quand on est sous tension en permanence, on ne peut pas faire ça. Donc oui, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de me recentrer sur pas mal de trucs, notamment de sortir un peu du tout politique pour revenir à ce qui faisait ma force et à ce que j'aime le plus, c'est-à-dire la vie de tous les jours. J'ai eu beaucoup de remarques quand je suis revenu pendant un mois ou deux, puisque je suis passé de dessins extrêmement offensifs à des dessins un peu de la vie de tous les jours dans les bistrots, les trucs d'amour, etc., de rupture. Et les gens me disaient, mais t'as perdu tes couilles, qu'est-ce qui se passe, c'est mou, etc. Bon. Et c'est pas du tout une histoire d'être planqué ou pas, parce qu'une fois de plus, moi j'assume tout ce que j'ai pu dire. C'est juste qu'il y a énormément, beaucoup plus de choses à faire avec la vie de tous les jours, avec tous les sujets de tous les jours, que sur les trucs politiques, si vous préférez. Et en plus, ça permet de toucher un public plus large. Et moi, j'aime bien, j'aime bien quand tout le monde se marre, quoi, tout simplement. J'aime bien quand les gens sont contents avec mes planches, etc. Et donc, ça m'a permis, ce petit exil m'a permis de revenir à ça. Et une meilleure ambiance, si vous voulez, quoi. Parce que, je n'aime pas les artistes qui vont là où ils n'ont pas le droit d'être, où ils n'ont pas à aller, si vous préférez. Les artistes qui se mettent de politique, par exemple, c'est infernal. Hein. C'est ridicule, c'est infernal. Je veux dire, les mecs, et moi, je sentais que j'étais un petit peu enfermé là-dedans. Et une fois de plus, c'était même pas pour une histoire de vente ou n'importe quoi, puisque avec les histoires de polémique, je vendais vraiment très bien, on peut parler franchement. On en revenait sur de Zemmour tout à l'heure et tout. Quand on fait de la polémique, quand on touche certaines personnes qui ont vraiment besoin d'un discours, on vend vraiment plus. Donc, je dirais pas que j'ai quasiment perdu des ventes en fait en faisant des choses moins polémiques. Mais c'est pas grave, puisque je fais ce que j'ai envie de faire, et surtout je m'enferme plus dans quelque chose qui peut paraître un petit peu je m'embrouille dans ce que c'est pas très clair, mais je sais pas si vous voyez. Mais vous avez plus de recul pour essayer de faire des choses trucs et de revenir sur des choses un peu plus saillantes. Mais c'est surtout qu'en plus, pour être franc avec vous, j'ai vraiment un désintérêt, c'est-à-dire que je m'auto-censure jamais, vraiment. Mais c'est que j'ai de plus en plus un désintérêt pour tout ce qui va toucher à la politique ou à la vie sociétale. Quoi. On en parlait tout à l'heure, vous disiez que j'étais un petit peu pessimiste. Ça c'est vrai, je suis tout à fait pessimiste. Et à partir de là, en fait, tout ce qui va ressembler à des réformes ou à des petits soubresauts dans la vie politique de tous les jours m'ennuie, puisque moi, je ne vois qu'une chose, c'est le mur qu'on est en train de se prendre, si vous voulez, vers lequel on fonce.
Et donc, à partir de là, ça m'intéresse même plus de prendre la parole sur des machins que je considère futiles. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout me paraît... moi, je vois que le mur. Je vois que le mur. Mais ce n'est pas pour ça que je passe mes journées en dépression, si vous voulez. Hein. Ça va très bien dans ma vie. Je fais des dessins, enfin, je m'efforce de faire des dessins un petit peu drôles pour remonter le moral à tout le monde. Et pour me faire plaisir aussi, on ne va pas se mentir. Hein. Mais je suis quand même bien... Je suis pessimiste quand même, ouais. Ouais. Alors, c'était marrant parce que j'ai écouté tout à l'heure une des interviews où vous disiez « Je pourrais presque voter à gauche » quand vous parliez notamment de l'amour que vous aviez pour vos lecteurs. Vous débordiez d'amour pour vos lecteurs et vous avez dit « Finalement, à force de ces conneries, je pourrais voter à gauche. » Ah, Molly, il ne faut pas le dire, Ouais. C'est vrai que vous avez un rapport ultra intime avec vos lecteurs. D'ailleurs, ils vous le rendent bien. D'ailleurs, j'imagine qu'en dédicace, vous ne pouvez pas parler à tout le monde. Mais il y a aussi, forcément, cette rançon du succès, c'est aussi que vos lecteurs vous apprécient énormément et vous considèrent, selon eux, comme quelqu'un qui porte une voix bien discordante et bien dissonante, qui se chérissent par-dessus tout. Ouais. Et donc, je ne comprends pas votre question. Mais c'est-à-dire que, vous avez découvert ce rapport physique avec vos lecteurs quand vous étiez en dédicace, de vous rendre compte que le dessin que vous proposiez, ce dessin brutal, ces idées brutales que vous proposiez, finalement, ça pouvait générer pratiquement, pas de l'idolâtrie, je vais pas exagérer, mais avec vos lecteurs, peut-être, est-ce que vous avez été surpris que vos lecteurs, finalement, quand en dédicace, ou même sur les réseaux sociaux, soient totalement fans de vos dessins et de votre personne aussi? Oui, j'ai été surpris, oui et non, puisque, enfin, moi, je suis toujours, même encore aujourd'hui, et je pense jusqu'à la fin de ma vie, je comprends toujours pas qu'on puisse s'intéresser à mon travail. Mais ça, c'est un truc de grand angoissé. J'ai toujours l'impression que ce que je fais n'est pas bon. Donc voilà, c'est ce qui fait que d'album en album, je m'améliore. Mais après, comment vous dire ça ? Je vous dis tout à l'heure, on n'a même plus un rapport de lecteur à artiste avec mon lectorat. C'est comme pour l'histoire de la France qui trime. Je pourrais pas le définir en fait. Mmh. Ça va de soi, c'est naturel. On est bien quand on se voit. Je ne pense plus qu'il me voit comme une espèce d'étendard. Mmh. Ça pouvait être le cas avant, quand je défendais des idées un peu plus violentes. Mais là, je pense qu'on est plus dans un rapport de... comment dire ? Il y en a beaucoup qui me disent, quand j'ai lu ta BD, ça va mieux du coup. La journée commence bien, etc. Quoi. Et ça, pour moi, c'est très, très gratifiant. L'impression d'être utile, quoi, si vous voulez. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que mes lecteurs sont mes patients et que moi, je suis le médecin et que je leur offre une thérapie. Mais c'est un rapport gagnant-gagnant, si vous préférez. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'avoir un peu de reconnaissance pour ce que je fais. On a tous un petit peu d'ego et puis c'est mon travail. Donc, moi, je fais bien mon travail. Donc, quand c'est bien reçu, je suis content. Et eux, si ça peut les faire marrer 2 minutes, écoute, c'est toujours ça de prix, quoi. Donc, c'est ce rapport-là qu'on a avec les lecteurs. Et là, ça commence quand même à nous faire... à faire 7 ans que je suis en contact avec mes lecteurs, que je suis sur Facebook. Et du coup, effectivement, le rapport est très, très apaisé, il est très calme, en fait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai plus besoin de forcer ou de me donner un style comme j'ai pu me le donner au début. Ce qui est normal, en début de carrière, on se cherche, hein, on a envie de... Voilà, quand on a la célébrité qui nous arrive dessus, ça fait quand même très bizarre. C'est-à-dire qu'on passe de la cave humide dans laquelle on dessine... au projecteur, donc c'est vraiment des machins qui remuent un petit peu, et on ne sait pas toujours comment encaisser le choc. Moi, je l'ai encaissé par la provocation, je l'ai encaissé par la surenchère. Après, tout c'est derrière moi, comme je vous ai expliqué. Mais maintenant, je pense qu'on a des rapports qui sont respectueux, c'est sûr et certain, amicaux, pourquoi pas, et oui, affectueux, ouais. On a des rapports affectueux. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui dans la société du spectacle dans laquelle nous vivons, la médiatisation mainstream, vous avez une célébrité, on va dire, effectivement, mais qui est quand même très particulière par rapport à ce qu'on voit sur la machine médiatique. Cette célébrité s'est construite quand même sur une communauté très fidélisée, sans pour autant, parce que je n'ai pas l'impression que vous êtes invité dans beaucoup de médias, hein, Marceau, je n'ai pas l'impression qu'on vous voit beaucoup à la télé. Et c'est une célébrité qui est vraiment à part. Hein. Ce n'est pas la machine médiatique pour vous. Bien sûr. Mais ça, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure.
cette célébrité, enfin cette célébrité, on va dire cette communauté, n'ayant pas justement de, n'ayant pas de médias pour me promouvoir, j'ai dû la faire vraiment avec mon travail. Et quelque part, je pourrais me plaindre parce que au quotidien, en fait, si je relâche le, si je relâche la, la si j'arrête de bosser un mois, moi je m'écroule puisque forcément j'ai personne, je suis pas chez Ruquier, je suis pas à la télé, je suis nulle part. Donc je suis obligé de continuer à travailler pour avoir une visibilité. Mais en même temps, c'est pas mal puisque ça m'oblige à pas me reposer sur mes lauriers. Vous voyez ? Et après, non, je suis pas dans les médias, je pense que j'y serai jamais, je ne ferai pas d'effort pour y être. Ouais. Entendu que dès lors qu'on est étiqueté facho, ce qui est mon cas depuis un petit moment, c'est des choses qui sont à vie, ça, si vous voulez. C'est à vie. C'est à vie. Et moi, je n'ai absolument aucune envie de faire des reptations comme certains hommes politiques peuvent le faire pour dire non, non, mais vous inquiétez pas, je ne suis pas, je suis pas facho, je ne suis pas homophobe, je ne suis pas antisémite, je ne sais pas quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas, si vous voulez, de ramper au pied des gens qui ne m'aiment pas, que je n'aime pas non plus, pour finalement me prendre un crachat. Je préfère me faire cracher dessus debout plutôt qu'à terre. Voilà, clairement. Oui, donc si vous étiez invité, ce qui est peu probable hein, dans une émission de grande écoute, d'antenne, vous n'iriez pas en fait, ça ne vous intéresserait pas plus que ça, non ? Il ne faut jamais dire jamais. Il y avait Dupond-Moretti qui avait dit que ça jamais ministre, et finalement voilà. Donc il ne faut pas faut jamais dire jamais, mais me retrouver sur un plateau comme ça, franchement, si c'est pour me faire insulter pendant une heure, bon, voilà, ça va être marrant deux minutes, mais c'est pas intéressant. J'ai pas besoin de ça. Alors, je pourrais effectivement avoir une plus grosse visibilité en faisant ce genre de truc, mais moi je préfère, comme je vous avais dit, je suis dans mon coin tranquillement, je fais chier personne, ça marche bien pour moi, j'ai mes lecteurs, tout va bien, quoi. Si vous voulez, je cours pas nécessairement après la célébrité ou les paillettes. Mais Marceau, moi ce qui m'intéresse comme question, c'est on avait reçu le Roberto sur votre antenne, Papacito, pour parler des auteurs Ring notamment. J'aime bien cette personnalité clivante, au moins chacun qui regardera l'émission ou la vidéo qui la regarde, se fera son idée, après libre à chacun d'acheter votre BD, de vous aimer ou pas vous aimer, mais au moins, nous on vous donne la parole, comme l'a fait d'ailleurs André Narcot sur Sud Radio il y a quelques semaines avec Papacito. C'est notre boulot aussi des médias indépendants, pluralistes, de faire parler tout le monde. Et vous savez Marceau, nous quand on reçoit quelqu'un à gauche, on dit qu'on est des gauchos, quand on reçoit quelqu'un plus on dit qu'on est des droitards, donc nous aussi on subit toutes ces foudres en permanence, et nous on donne la parole au plus grand nombre, mais on ne s'interdit personne, c'est quand même important pour nous, c'est notre boulot. Ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, comment vous la vivez, la diabolisation permanente? Bon, j'ai cru comprendre que vous avez laissé ça de côté, mais franchement, toujours être attaqué en permanence, diabolisation, facho, nazi, c'est quand même des accusations qui sont très graves, portées sont très très graves. Comment vous vivez aujourd'hui? Ça y est, c'est fini, on s'en fout et vous continuez à faire votre travail et proposer à vos lecteurs des planches. On est là, vous en êtes là aujourd'hui, Marceau? Absolument. En fait, si vous voulez, c'est une histoire d'habitude. C'est une histoire quand on a, comment dire, c'est un peu comme une maladie chronique, si vous préférez. C'est-à-dire que je sais que les gens qui disent beaucoup de mal de moi, qui font tout pour empêcher que je monte ou n'importe quoi, qui m'agressent, verbalement, j'entends bien, parce qu'en vrai, il ne se passe jamais rien. Je sais que ces gens-là, je vais les traîner au cul jusqu'à la fin de ma vie. Je vous disais tout à l'heure, quand on est étiqueté facho, dans la sphère médiatique et culturelle, c'est à vie. Donc j'ai deux choix à ce moment-là. Soit je me plains en disant que c'est vraiment trop injuste, que j'ai pas de chance et que ces gens-là font une erreur puisque je suis quelqu'un de très gentil et que gna, c'est quand même malheureux, et je reçois des crachats, et rien ne change surtout. Ou alors je me dis, bah écoute, c'est comme ça, c'est pas marrant, mais il faut avancer avec, il faut faire avec. Et moi, je suis dans cet état d'esprit-là aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis dans une situation qui ne pourra pas changer, en tout cas pas avant plusieurs dizaines d'années, j'imagine. Hein. Donc à partir de là, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Quand il fait froid, on met un manteau. Quoi. Vous voyez ? Mais c'est la question que j'allais vous poser. Vous me tendez la transition. Là. Finalement, est-ce que vous pensez, Marceau, qu'aujourd'hui, un univers clivant comme le vôtre, eh bien, il va pouvoir continuer à subsister, à survivre. Je pense bien entendu aux attaques, je pense aux dépôts de plainte, je pense aux chasses sur les réseaux sociaux. Finalement, est-ce que vous pensez que vous pouvez encore faire ce travail avec votre patte pendant plusieurs mois, plusieurs années, parce que les dépôts de plainte et les attaques au tribunal se multiplient hein, contre les gens qui, à un moment donné, sont un peu en dehors de la pensée unique. Ça vous fait pas peur, ça, à un moment donné, de devoir peut-être arrêter? Non, j'arrêterai jamais. Si vous voulez, c'est physiquement impossible pour moi d'arrêter de dessiner. Je ne dis pas ça pour vous faire un discours un peu mielleux sur la passion, sur je ne sais pas quoi, etc. Mais
si vous voulez, quand on a appris, enfin, dans mon cas, quand on travaille 10, 12, 15 heures par jour sans arrêt depuis maintenant 12 ans, je ne peux pas, si vous voulez, m'arrêter, c'est impossible. C'est-à-dire que je dessine comme je respire. Tant qu'il y aura un mec sur Terre pour lire ma planche du jour, je continuerai à dessiner, je ne peux pas faire autrement. Après, on ne va pas se mentir, ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple, puisque les choses vont en s'empirant. J'ai souvent plaisir à dire que j'ai vraiment eu la chance de commencer quand j'ai commencé, c'est-à-dire en 2014, puisqu'à l'époque, Internet était encore libre. Moi, je me souviens que j'ai fait des dessins qui sont parfaitement publiables aujourd'hui. Et donc, à l'époque, ça allait encore. Si vous voulez, moi, je suis arrivé vraiment sur la fin de l'Internet quasiment libre. Ça a commencé à déconner sur les coups de 2016 à peu près. Et là, on en est à un niveau qui n'est pas possible. Moi, sur Facebook, je vous ai dit, c'est pas que je m'autocensure, le terme n'est pas bon, c'est que je prends des dérivés, vous voyez. Je dis les choses autrement. Il y a des mots sur Facebook qui sont, que les algorithmes repèrent et qui sortent, qui font que la page chauffe directement. Il suffit de dire la même chose avec des mots différents. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple ? Il suffit de dessiner les mêmes choses sous un angle différent pour arriver à passer à travers la censure et faire passer des idées. Le dessin de ce matin, qui est un petit peu relevé, il aurait pu être encore plus relevé si j'avais mis vraiment les textes que je voulais mettre. Je ne les ai pas mis, mais le message était le même. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut... j'entends, vous avez une véritable stratégie, Marceau, en fait. Vous avez une véritable stratégie. C'est une stratégie, c'est-à-dire que je marche vraiment sur un fil, je suis un putain de funambule. Hein. Il faut faire comme ça en attendant des jours meilleurs. Mais c'est vrai que c'est compliqué, puisqu'on a, comment dire, la tentation vraiment de, je dirais pas de raccrocher, mais de passer dans le camp adverse en se disant, écoute, c'est bon, il y en a marre, maintenant moi aussi je vais aller à la gamelle, elle est vraiment grande, hein. Elle est vraiment grande, parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable. Mais il est évident que ça va être très compliqué dans les années à venir, c'est sûr, public ou pas public. Puisqu'on vit dans une époque où quelqu'un qui disparaît des réseaux disparaît tout court. C'est une information, on chasse une autre, si vous voulez. Et j'ai beau avoir une communauté de quasiment 300 000 personnes, si je disparais, je disparaîtrais, quoi. Peut-être que des gens diront, tiens, ça manque un peu les dessins de Marceau, mais je disparaîtrais. Donc oui, ça va être très dur. Pour répondre à votre question, c'est très dur. Mais oui. Et vous appelez une stratégie finalement, il y a une stratégie parallèle qui pourrait prétendument pallier à cette fin avancée peut-être de fermeture de page. Vous l'avez dit, vous avez 300 000 personnes je crois sur Facebook ou un peu plus. Vous avez déjà pensé à l'après à un moment donné, même si ça va être compliqué, vous le dites, peut-être un site, une plateforme, il y a toute une série aujourd'hui de réseaux sociaux, plus indépendants qui pourraient vous accueillir, non ? C'est des gens en réflexion, ça, ou pas, de votre côté ? Alors, c'est à l'étude, on commence à regarder à droite à gauche ce qui pourrait être bien. Pour l'instant, les plateformes en question, je pense à Gab et à VK, sont pas très intéressantes pour moi, et une fois de plus, sur Facebook, pour l'instant, j'ai pas trop de soucis. Après, il y a aussi une chose qui est importante, c'est que au-delà des followers sur la page, il y a aussi des gens qui achètent mes livres. Donc ça, c'est vraiment des achats physiques, si vous voulez, et ils sont de plus en plus nombreux. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, même s'ils n'ont pas de nouvelles, imaginons que tous mes réseaux sautent et que ces gens-là n'ont pas de nouvelles de moi pendant 6 mois ou 1 an, il y a un moment, ils vont quand même aller jeter un coup d'œil en librairie ou sur Amazon pour voir s'il y a une nouvelle sortie de Marceau, si vous voulez. Et donc, à partir de là, ça va quand même le faire, si vous voulez. C'est-à-dire que mon public, mon lectorat, on va dire réel, je ne dis pas que les followers sont des faux lecteurs, vous avez compris. Hein. Mais en tout cas, ceux qui vraiment achètent et me permettent de vivre de mon travail sont aussi de plus en plus nombreux et ceux-là me suivent aussi. Donc c'est aussi là-dessus que je mise, ma présence en librairie et en album. Ouais, d'accord. Et alors, dernière question, parce qu'on arrive à la fin de ce grand entretien. Comment vous la voyez, Marceau, la liberté d'expression dans ce pays ? Est-ce qu'elle est condamnée à court ou moyen terme ? On a parlé déjà des entraves, de la censure de plus en plus prégnantes, probantes sur tous nos réseaux. Nous aussi, on l'a suivi, je ne vous cache pas, sur nos réseaux. On a des étranges baisses d'audience, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Vous la voyez comment, cette liberté d'expression ? Est-ce que peut-être dans un an, dans 6 mois, un an, finalement, on ne pourra plus rien dire et vos dessins seront totalement censurés comme des textes d'autres ? Je ne sais pas comment ça va se passer. Je sais, on en revient à mon histoire de mur tout à l'heure. Hein. Je sais qu'on va dans le mur, puisque quand on interdit, enfin comment dire, quand on restreint la liberté des gens, alors effectivement, ils disent plus, parce qu'ils n'ont plus le droit de dire. Par contre, ils sont énervés. Et la colère, c'est la cocotte minute, et du coup, ça va mal se finir. Donc je pense qu'à terme, effectivement, on n'aura plus le droit de rien dire.
mais que ça ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire que... Enfin, moi, je ne vois pas, si vous voulez... je ne vois pas les gens continuer à fermer leur gueule tout le temps. Comme vous disiez tout à l'heure, s'il y a un public pour des gens comme Zemmour, et plus modestement, pour les gens comme Papacito, Laurent Berton ou moi, c'est bien parce que les gens en ont marre. Fondamentalement, ils en ont marre. Moi, je n'aurais pas eu ce succès-là dans les années 80. Hein. C'est évident, puisqu'il n'y avait pas cette même colère. Donc la liberté d'expression, moi, je trouve qu'elle est en très, très mauvais état, que ça va aussi aller en s'empirant, et qu'elle devienne que pourra, mais bon, ça va tanguer, quoi. Ça va vraiment tanguer. C'est intéressant, je réagis sur ce dernier point. Finalement, sans vous porter hommage, mais vous êtes aussi des symptômes d'un ras-le-bol à la société. Non, mais bien sûr. Moi je dis, enfin, je vais m'envoyer un petit peu des fleurs, mais si j'ai un petit peu de succès, c'est aussi parce que je travaille bien, je pense quand même. Je produis un travail de bonne qualité. Mais au-delà de ça, pour les idées que je véhicule, effectivement, oui, je suis un symptôme. Tout à fait, je suis un symptôme. Je pense que j'aurais eu un lectorat bien moindre dans les années 80. J'aurais été certainement un dessinateur apprécié pour ce qu'il peut produire, mais j'aurais jamais été un étendard comme j'ai pu l'être et comme je suis peut-être encore, bien que je m'en défende. Voilà. Alors, je vous laisse le mot de la fin, Marceau, à vous pour la fin. Je vous laisse le mot de la fin pour l'émission. Dites-moi, dites ce que vous avez envie de dire pour finir. Bah, on va faire simple, Rome. D'accord, ceci étant dit, merci beaucoup Marceau pour ce grand entretien dans toute chaîne. On a reçu Papacito Chéri, bien entendu. Voilà, ce sont des voix discordantes. N'hésitez pas à liker, à partager cette émission sur YouTube le maximum pour essayer d'éviter, pour essayer de contrer les algorithmes. En tout cas, merci Marceau d'avoir accordé son entretien à Pouch Live. Merci beaucoup. Vous étiez, encore une fois, vous étiez très nombreux, j'imagine, sur cette nouvelle émission. On se retrouve très, très bientôt. Marceau, je vous présente une dernière fois, dessinateur humoristique, auteur de bande dessinée français. Vous publiez chez Ring, notamment la série à succès Brum. Et bientôt Brum 5. Voilà, tout cela est dit. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Bye bye. Bien la démocratie.